La présence de Dieu est ici parmi nous. Oh, l'éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous. Oh, l'éternel. Oh,
Nous lisons le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu de cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as bâti mon âme et je me tiens au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne des mystères. Un fort appelle notre flot au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'a accordé sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. J'ai dit à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as bâti mon âme et je me tiens au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai et je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Comme les biches soupirent après des courados, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Car il est, je parlerai de toi, mon Dieu. Vraiment soif de toi, notre Dieu. Au plus profond de notre cœur, c'est vraiment les désirs que nous avons. Nous te désirons encore. Ce soir, merci pour ce rassemblement. Merci pour ce privilège encore que nous avons de pouvoir nous tenir encore dans ta maison, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment le Dieu très haut, digne de louange, Père Tout-Puissant, Dieu. Le Dieu qui doit recevoir la révérence et la crainte, le respect. C'est toi, notre Dieu. C'est pourquoi nous revenons en te suppliant, en te prenant la grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nous puissions encore trouver grâce devant ta face encore ce soir. Que tu sois vraiment avec nous, notre Dieu. Nous parlant, nous conduisant encore davantage, mon Seigneur. Tu nous as bénis aussi au travers des psaumes, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, des chants et des cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous nous réjouissons encore, mon roi. Nous pensons à tous nos bien-aimés frères et sœurs, Seigneur. Ce peuple qui s'accroche à toi et qui t'aime aussi, bien-aimé Père Tout-Puissant-Dieu, mais dont tu as les regards aussi fixés sur eux, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Nous avons tous besoin de ton soutien, mon roi, de ta main puissante dans notre vie, Seigneur Jésus. Encore une fois, bien-aimé Père Saint-Dieu, puissions encore agir, mon bien-aimé Père Dieu, et agir et relever encore, Père Tout-Puissant-Dieu, ce peuple qui ne cherche que toi, mon bien-aimé Père Saint, qui a vraiment la soif de voir ton Dieu, de répondre à tes exigences en toi, Père Tout-Puissant, et qui s'attend quand tu sais que toi tu veux, Seigneur, la force, Père Tout-Puissant, de pouvoir agir, c'est toi qui le donne, Père Saint-Dieu, le soutien, c'est toi qui le fais, Père Tout-Puissant. Nous n'avons point d'autre Dieu, mon Père Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que nous pouvons invoquer encore dans ces temps où nous sommes, mon Père Tout-Puissant. Ce n'est que toi qui t'es fait connaître à nous, mon Père Seigneur. C'est pourquoi nous revenons à toi, au bien, mon Père Saint. Regarde l'état de ton Père, mon Père Tout-Puissant. Regarde son état, mon Père Saint-Dieu. Si toi tu n'agis pas, mon Seigneur Jésus, qui pourra agir encore pour ce Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Si toi, tu ne sois pas le Père Tout-Puissant, qui pourra exaucer, mon bien-aimé Seigneur. Nous avons soif de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous crions à toi parce que nous savons que tu es le Dieu qui a dit que tu as les oreilles, tu entends, Seigneur. Tu es le Dieu miséricordieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Là, la colère riche en bonté, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Aie pitié, mon bien-aimé Seigneur, Dieu. Secours ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et agis encore, mon roi. Et voici, bien-aimé Père Tout-Puissant, les mains tendues vers
seul toi, mon bien-aimé Seigneur. Où pourrons-nous trouver les secours, Seigneur Jésus? Le monde ne peut pas nous secourir, mon roi. Les hôpitaux ne peuvent pas nous secourir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il n'y a que toi, mon bien-aimé Père Tissant. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes. Il n'y a pas de secours, mon roi. Les secours ne peuvent venir que de toi, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce, mon roi. Nous implorons ton secours et ton soutien, mon bien-aimé Père Tissant. C'est toi qui dois être honoré, Seigneur Dieu. Dans la victoire que nous devons avoir, Père Tissant, oh Dieu, mon bien-aimé Père Tissant. Tu dois te recevoir la gloire, mon bien-aimé Père Tissant. Pour ce que tu auras fait pour ton Père, mon bien-aimé Seigneur. Aujourd'hui encore est un jour de grâce, mon Seigneur Jésus. Que tu sois adoré, mon bien-aimé Père Tissant, oh Dieu. Vois le cœur qui tourne vers toi. L'espérance ne vient que de toi, bien-aimé Père Tissant. Le courage ne vient que de toi, bien-aimé Père Tissant. C'est toi qui nous encourage encore, bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, juste le regard à toi, mon bien-aimé Père Tissant. Juste ta main à toi, mon bien-aimé Père Tissant, Dieu. Pour mon frère et pour ma soeur. Pour nos enfants, mes enfants, bien-aimé Père Tissant. Pour chacun de nous encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ce jour soit aussi un jour nouveau. Que ce soit aussi un jour différent, bien-aimé Père Tissant. Où toi, tu agis encore, mon bien-aimé Père Tissant. Nous t'implorons la grâce, mon bien-aimé Seigneur. Nous avons l'assurance, mon roi, bien-aimé Père Tissant. Ta puissance n'a jamais diminué, ne diminuera jamais, Seigneur. C'est toi le soutien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu es pour nous encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tissant. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore davantage, mon roi. Nous ne cesserons de crier à toi parce que nous persévérons, Seigneur Jésus. Viens-nous en aide encore ce soir, mon sauveur. Secours chacun de nous, mon bien-aimé. Et merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour, mon sauveur, et pour ta grande compassion à notre endroit. Oh, Jésus, mon roi, tu es le Dieu qui a la capacité de pouvoir agir encore, Père Tissant, dans notre vie pour la santé, bénévole, Père Tissant, pour la victoire dans tous les domaines, Père Saint-Dieu. Ah, oh, Seigneur Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous avons vraiment besoin de toi, mon Seigneur Jésus. Nous crions à toi parce que nous savons que tu as toujours été un secours pour le malheureux, Seigneur Jésus. Et un secours, Père Tissant, Dieu, même pour l'indigent, mon bien-aimé, Père Tissant. Un secours pour ton peuple, mon roi. Alors la Bible dit qu'elle crie à toi, Père Tissant, Dieu, tu as envoyé le secours, mon sauveur. Nous crions à toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Envoie le secours, mon bien-aimé, Père Dieu. Envoie le secours, mon roi. Oh, ouvre les portes, bien-aimé, Père Tissant, Dieu. Puissions encore agir, encore et déverser encore la délivrance et la grâce encore à ton Père, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. C'est toi qui es notre soutien, notre secours. Tu l'as dit, tu es vraiment un secours qui ne peut pas manquer au temps de la détresse. C'est vers toi que nos yeux sont fixés, Seigneur. Nous courons à toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous comptons sur toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas compter sur l'homme. Tu l'as dit toi-même. Maudit soit donc l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est cela nos efforts que nous fournissons, bien-aimé Père Saint-Dieu. Notre confiance repose réellement sur toi, mon bien-aimé Père Tissant. Si nous aidons, nous sommes appuyés sur les hommes, pardonne-nous, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous revenons à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nous appuyer sur toi, afin que tu puisses encore agir, Seigneur. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, mon roi, Seigneur, puisses-tu accomplir encore des merveilles parmi nous, Seigneur Jésus. Et manifester encore cette grâce, mon bien-aimé Père Tissant. Parce que tu as fait des promesses, mon bien-aimé Seigneur. Tu tiens toujours à tes promesses, à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ce peuple a besoin de toi, mon bien-aimé Père, pour être relevé encore davantage, mon roi. Seigneur, il y a un temps pour toutes choses, mon bien-aimé Seigneur. Oh, puisses-tu encore entendre encore nos prières. Nos prières encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nos prières, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous nous approchons de ton trône de grâce, mon roi. Nous sommes heureux de pouvoir t'avoir. Parce que réellement, sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre, mon bien-aimé Seigneur. Mais nous t'avons, Père Saint-Dieu, c'est pourquoi nous vivons, mon bien-aimé Père. Oh, nous avons l'espérance parce que tu es vivant, mon bien-aimé Seigneur. Tu l'as dit toi-même dans ta parole à toi que parce que tu vis, nous vivons également aussi, Seigneur. C'est pour ça que nous vivons, mon bien-aimé Père Tissant. Nous ne voulons plus revenir en arrière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons abandonné le monde, mon bien-aimé Père Tissant. Nous ne voyons rien que nous voulons retenir ce monde, mon bien-aimé Père Tissant. Même pas les désirs, mon bien-aimé Père Tissant. Parce que si nous retournons en arrière, nous mourrons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons aller en avant avec toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que nous voulons vivre, mon bien-aimé Père Tissant. Le salut vient de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le secours ne descend que de toi, mon sauveur. Tu es un secours qui ne peut pas manquer, bien-aimé Père Tissant. Parce que tu es la parole vivante, mon bien-aimé Père Tissant. Tu es manifesté, bien-aimé Père Tissant. Et tu l'as fait encore davantage, mon roi. Nous crions à toi, mon sauveur béni. Nous avons soif du Dieu vivant, comme nous l'avons entendu, bien-aimé Père Tissant. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon bien-aimé Père Tissant. Notre âme aussi ce soir soupire après toi, ô Dieu du ciel. Tu es revêtu de gloire, mon bien-aimé Seigneur.
Et ton peuple que nous sommes, mon bénémoine, Père Tibissant, tu nous l'as dit que nous sommes les troupeaux de pâturage, ton pâturage à toi, mon bénémoine, Père Dieu, que ta main puissante conduit. C'est vrai que les hommes peuvent se fatiguer, ils peuvent se lasser, mon roi. Nous ne pouvons pas nous lasser de toi, mon bénémoine, Père Tibissant, peu importe la condition, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Mais nous savons que si nous lassons, au lieu de nous, mon bénémoine, Père Tibissant, si nous lâchons prise, mon bénémoine, Père Tibissant, où pourrons-nous aller, mon bénémoine, Père Saint-Dieu? Mais c'est auprès de toi, mon Seigneur, que nous te supplions, bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous savons qu'ils sont auprès de toi, mon bénémoine, Père Tibissant. Comme la femme syrophénicienne, mon bénémoine, Seigneur Jésus. Nous crions aussi à toi, bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, les chiens mangent les miettes, bénémoine, Père Tibissant, qui tombent à la table du maître, mon bénémoine, Seigneur. Nous croyons en toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Secours, ô éternel, et agis, mon roi. Merci parce que tu vis, mon sauveur. Merci parce que tu es le donateur de tout don excellent. Un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, mon Seigneur. Nous comptons véritablement sur toi, Seigneur. Et nous nous appuyons vraiment sur toi encore en ce jour, mon sauveur. Parce que nous savons que tu le fais et que tu le feras aussi, Père Dieu. Fais quelque chose, mon sauveur, bénémoine, Père Saint-Dieu. Pour que ton peuple puisse réellement prendre courage, mon roi. Fais quelque chose, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour qu'il soit élevé aussi, mon bénémoine, Seigneur Jésus, oh Dieu. Chaque jour ne se ressemble pas, mon sauveur. Parce que tu es toujours le même Dieu, mon bénémoine, Père Tibissant, oh Dieu. Tu fais des merveilles, mon bénémoine, Père Tibissant. Et ta façon de faire est toujours merveilleuse, mon bénémoine, Père Tibissant. Louange et honneur à toi. Nous te disons merci. Nous te glorifions, mon bénémoine, Seigneur, recevoir. On nous l'a dit cela et nous l'avons lu, Père Saint-Dieu, tu es riche en miséricorde, mon bénémoine, Père Tibissant. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous l'avons appris aussi, mon bénémoine, Seigneur. Et cela est la vérité, mon bénémoine, Père Saint, nous y croyons, mon bénémoine, Père, oh Dieu. À cause du grand amour dont tu nous as aimés, Seigneur. Dieu qui est riche en miséricorde, Père Saint-Dieu. Et c'est pour cela que nous avons confiance et nous tenons ferme, mon bénémoine, Père Tibissant. Et comme on l'a dit aussi, bénémoine, Père Saint, nous l'avons aussi lu dans ta parole à toi. Tu es le Dieu miséricordieux, là la colère riche en beauté. Et aussi le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, mon bénémoine, Père Tibissant. Et auprès de qui nous sommes invités à pouvoir revenir. C'est pour ça que nous revenons auprès de toi, mon bénémoine, Seigneur Jésus. Parce que l'homme ne peut pas nous supporter, Seigneur. Mais toi, oui, mon bénémoine, Seigneur, pardonne et soutiens, mon Seigneur. Merci encore pour cette grâce que nous avons trouvée à tes yeux, mon Seigneur, pour ton peuple. Pour mes soeurs, pour mes frères, Seigneur, et pour tous ceux qui sont à toi, et nous te disons merci encore. Bénis ton peuple qui est à l'écoute encore ce soir. Pensons à chacun d'eux, Seigneur, que là où ils sont, vois combien ils pleurent parce qu'ils sont malades, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Mais ils savent que dans ta parole à toi, il est écrit, Seigneur Jésus, qui est par ta maîtrise, nous avons donc reçu aussi la guérison, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait vivre encore aujourd'hui, mon sauveur. Et nous avons confiance en toi. Nous te remercions, mon sauveur. Et c'est vraiment du plus profond de notre cœur que nous sommes approchés de toi pour te dire merci, Seigneur. Merci, sauveur. Jamais seul avec toi, mon sauveur. Merci pour tout. Et pardonne encore et agis. Sois béni, sois glorifié et sois exalté. Béni soit ton Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire encore pour nous aujourd'hui, Père. Garde ton peuple, il est à toi, mon Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, Père. Merci, Père. Gloire te soit rendue et honneur à toi, mon Père. Béni sois-tu qui es l'étoile bien du matin, Seigneur. Qui nous éclaire encore, qui nous soutient. Nous avons besoin de toi. Nous croyons que tu es plus que capable, mon Père Dieu, de le faire encore et pour nous aussi, mon Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Nous t'avons remercié, Père. Et encore merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié et exalté aussi. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait, pour sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Bonsoir.
C'est un jour de grâce aussi que Dieu nous accorde, alors que nous pouvons observer aussi dans l'espace-temps que nous sommes, que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et ces mouvements, personne ne peut les changer en fait. Quand il se lève, il doit absolument aussi se coucher aussi. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il fait de nous signe aussi dans ce monde dans lequel nous sommes, en faisant de nous des fils et des filles, au travers de qui, effectivement, aussi, il veut en fait être glorifié aussi, être vu aussi. C'est pour ça que il me dit que si nous souffrons avec lui, c'est sûr que nous régnons aussi avec lui. La souffrance fait partie effectivement de la vie des fils et des filles de Dieu. C'est une chose qu'on ne peut pas échapper et qu'on ne peut pas aussi prier en disant « Seigneur, éloigne-moi de cela. » Parce que la Bible nous fait savoir que puisque nous désirons qu'il soit donc à nous, comme les Saintes Écritures le font savoir que s'il consent donc à donner sa vie, il verra donc une postérité. Et c'est dans cette postérité qu'il prolongera donc ses jours. Il l'a souvent répété aussi, nous montrant en réalité dans les Saintes Écritures, mais c'est parce que nous ne prêtons pas souvent attention à sa parole. Nous écoutons, mais en fait, nous sommes focalisés effectivement sur ce qui correspond à ce que nous avons comme besoin et désir. Mais nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu veut, ce besoin à lui, effectivement, aussi, ce qu'il attend de nous. Si Christ notre Seigneur devait choisir, je te donne un exemple, s'il avait un choix à pouvoir faire, de lui-même, en tant qu'homme, serviteur, qu'il était venu donc, dans la forme d'un homme, s'il avait un choix à pouvoir faire, il ferait le choix comme tous les hommes. Vous direz, mon frère, bien sûr que vous vous souvenez quand il a demandé à ses disciples de prier avec lui pendant un temps. C'était dans le jardin de Gethsémani. C'est à ce moment-là qu'il a pleuré, donc il a prié. La sueur était comme des grumeaux de sang, comme vous le savez. Et puis c'est écrit en disant, Père, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc l'humain peut demander cela. Parce que quand l'humain peut voir effectivement ce qui est en face de lui, la souffrance et tout ça, parce que les clous et les fouets qui devaient arriver à pouvoir voir tout ce qui pouvait vivre effectivement entre les mains des païens, effectivement, ils savaient cela. Et d'ailleurs, vous vous souvenez ce que notre précieux frère Zachée nous a lu donc comme psaume le 20, le dimanche, je pense, disait criant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, il a crié en disant que, non pas, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Et il a aussi, s'est souvenu aussi dans les Saintes Écritures, dans le psaume 40, il est écrit aussi que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu, ô Dieu, pour faire donc ta volonté. Nous entendons effectivement, chaque fois que nous lisons et que nous sommes rassemblés, qu'il est nécessaire absolument de faire la volonté de Dieu. Mais est-ce que vraiment on comprend pour quelles raisons il est absolument nécessaire de faire la volonté de Dieu? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que si nous comprenons en réalité que c'est vraiment nécessaire d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu,
C'est le désir qui satisfait Dieu lui-même. C'est ce que Dieu prend plaisir, lui, quand il le regarde. Il dit, ça, je prends plaisir. C'est comme quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, je pense, chapitre 58, il parle effectivement de jeûne. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Vous savez, pendant le jeûne, ce n'est pas des moments de plaisir. C'est des moments de difficulté, des douleurs où tu te prives de manger, ou parce que l'homme, la nature de l'homme, a besoin de manger, d'avoir du plaisir, de faire beaucoup de choses, effectivement. Mais pendant cette période-là, c'est là où ton corps à toi, il est privé de tout. Toi-même, tu commences à pouvoir pleurer, tu soupires, c'est un moment de souffrance, de douleur, effectivement, aussi, où la Bible dit, où tu mortifies ton âme, effectivement, et l'homme se couche sur la cendre et la poussière, effectivement, il prend un sac. Et c'est à ce moment-là que Dieu prend plaisir. C'est très contrastant, en fait. Parce que quelqu'un qui prend plaisir comme ça, voir une personne dans cet état, on se dit, c'est pas normal. C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma sœur, nous devons bien comprendre, effectivement, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il est. Parce que j'ai le besoin de pouvoir vivre avec lui. Vous vous rendez compte que sur la terre, nous vivons peut-être que 60 ans, peut-être 15 ans, puis on est parti, 20 ans, on est parti... On peut vivre avec des gens peut-être pendant 40, 50, 60 ans, 80 ans, peut-être 100 ans, que je donne, vous vivez avec les gens. Vous voyez, donc ces gens-là, vous voyez par exemple comment ils sont, effectivement, la manière qu'ils sont, effectivement, parfois ça va pas. Vous avez qu'un laps de temps que vous vivez avec une personne, c'est probablement 50, 60, maximum 100. Mais c'est comme si vous vivez avec quand cette personne, après vous passez le moment difficile avec la personne, pour vous c'est devenu comme... Mais réfléchissez un tout petit peu. Avec un être humain sur la terre, rien que les 50, 60 ans que Dieu vous donne avec lui, vous avez difficile. Mais avec Dieu, vous voulez vivre avec Dieu. Mais avec Dieu, on vit quand ça? Combien de temps? L'éternité. Donc vous allez vivre à l'éternité avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment pouvez-vous vouloir vivre une éternité avec une personne que vous ne connaissez pas? Je désire vivre l'éternité avec quelqu'un, même peut-être 100 ans, 2 ans, 100 ans, mais avec quelqu'un que je connais, auquel je prends plaisir à vivre avec. Est-ce que vous comprenez? Et vous soupirez à pouvoir vivre avec un Dieu que vous ne connaissez vraiment pas. Son caractère, sa façon de voir être, effectivement, vous ne le savez pas tellement très bien, parce que bon, quand le prédicateur se tient là, effectivement, que la parole de Dieu vous est prêchée, pour vous montrer qui est Dieu, ça ne vous intéresse pas trop. Ce que vous voulez simplement, c'est vivre l'éternité. Mais vous allez vivre l'éternité avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez même pas son caractère, comment il va agir, comment il va faire, vous ne connaissez rien, mais vite, éternité. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faudra que chacun de nous puisse quand même s'asseoir. Ce n'est pas mon frère et ma sœur pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de votre vie, de votre âme, pas de moi, pas de quelqu'un d'autre, mais de vous-même. N'oubliez jamais, en tant qu'humain, un jour vous allez mourir. D'une manière ou d'autre, vous devez passer d'ici à l'autre côté. Et quand vous allez passer d'ici à l'autre côté, sachez très bien que vous serez seul, en fait. Là où vous serez, personne ne va plus vous influencer. Vous n'allez pas faire, je dis, bon, j'ai fait ça parce que pour faire plaisir à ceci. Non, parce que là, vous serez devant la barre de jugement, devant vous se trouve le juge. Et à côté de vous, il n'y a personne. Tout le monde a le tremblement. Donc ça, ça va arriver. C'est-à-dire qu'il faut que... C'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu à pouvoir me référer à prêter cela. Ce n'est pas pour une répétition, mais pour que vous puissiez comprendre. L'apôtre Paul, il dit, je traite durement mon corps afin qu'il soit assujetti.
par moi, mais à la parole de Dieu. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est un exemple que je donne à Patrick Antoine, mais il faut que vous compreniez effectivement qu'il était servant Dieu et Dieu confirmant son appel et son ministère, effectivement, Dieu étant avec lui. Et cet homme arrive à pouvoir dire une chose comme ça. Et nous, dans nos tâches minimes que nous avons, et même dans notre façon de pouvoir s'approcher de Dieu, à combien de fautes raisons, on doit quand même être encore beaucoup plus dur envers nous-mêmes. Pour notre salut à nous-mêmes, pas pour le salut de quelqu'un d'autre, le tien. Parce que lui, là, il ne disait pas que, bon, de peur que les autres doivent jeter de lui, moi-même. Donc, il dit même, c'est ça qui me touche, il dit, mais je fais tout pour moi-même avoir part à l'évangile. Donc, il était censé pouvoir, dans l'obligation, pouvoir être sûr et certain que ce que lui, il a reçu et qu'il prêche aux autres, c'est vraiment Dieu qui lui a donné. Parce que non, si ce n'est pas le cas, il va être perdu lui-même. Mais lui-même, il a besoin du salut. Est-ce que vous comprenez? Donc, si un homme comme ça peut se traiter comme ça, alors vous et moi, parce que ce soit nos enfants qui viennent, qui s'asseyent ici, ils doivent comprendre pourquoi ils viennent. C'est vrai, ce n'est pas un parti de plaisir qu'on les force après l'école, on les amène ici. Ainsi. Non, les enfants, vous devez comprendre cela. C'est important. Pourquoi moi, est-ce que le salut est important pour moi? Parce que, pourquoi est-ce que vous devez comprendre cela? Parce que ça ne sert à rien de s'asseoir ici, de chanter, d'être entré assez gentil. Mais à l'école, vous vivez autrement. Vous vous côtoyez avec ceci, vous faites ce que les autres font. Parce que pour les milieux vous influencent effectivement ainsi. Donc ça vous a, parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que je suis mon père, je suis ma maman, je vais à un endroit effectivement comme ça. Parce que chaque fois, il ne faut pas toujours dire à cause de mon père, à cause de ma mère. Non, toi-même. Toi-même, parce qu'un jour, ton papa ne sera pas là. Ta maman ne sera pas là. Et si ta maman, Dieu soit béni, je me souviens que l'autre fois, que Dieu bénisse notre soeur Bambino, ça fait longtemps. Que Dieu la bénisse richement. Et oui, c'est vrai. Elle ne se souvient plus, mais que Dieu la bénisse. Elle a fait asseoir ses enfants, elle dit, mais quand vous venez à l'église, effectivement, c'est elle. Elle dit, mais si un jour, si vous venez à cause de moi, si un jour, moi, je ne suis plus là, allez-vous avoir le courage de venir à l'assemblée? Parce que c'est ça le problème, que Dieu la bénisse. C'est ça le problème, mon frère. Si les enfants viennent parce que, bon, maman vient, comme si on nous forçait, mais les jours où maman ne sera pas là, parce qu'un jour, nous ne serons pas là. Qu'allez-vous faire maintenant? Allez-vous continuer à aller à l'église? Allez-vous continuer à voir aimer Dieu? Parce que c'est ça le problème. Parce qu'il faut que nous enseignions aux enfants que nous avons, étant aussi un exemple, ces enfants disent, pourquoi nous aimons Dieu? On ne vous oblige pas. Mais voici pourquoi, moi, j'étais aussi jeune. Si je n'avais pas... Donc, vous leur rendez des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie. Pour qu'il ne soit pas avec vous comme des robots. Parce qu'il faut aussi que tu sois un exemple pour l'enfant. Comment veux-tu que les enfants l'enfant puisse arriver à votre... Pour prendre courage et pour aller à l'assemblée. Si déjà, toi qui vas à l'assemblée, tu ne fais même pas ce qu'ils vont faire. C'est parce que nous ne connaissons pas les dieux... Pour qui nous disons, nous l'avons reçu comme notre sauveur personnel, effectivement. Mais qui est-ce que tu as reçu comme ton sauveur personnel? Si vous êtes toujours eu à pouvoir vous dire ici, frères et sœurs, ce n'est pas une formule. Je te reçois, je crois en toi comme mon sauveur personnel. Ce n'est pas une formule. Non, 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 non. C'est une déclaration en connaissance de cause. Ah, je sais pourquoi moi je veux te recevoir. Pas parce que, bon, on m'a chanté ceci et cela, puis j'ai bon, sous l'engouement, j'ai dit oui, j'avance avec la formule, je te reçois comme mon sauveur personnel. Non. Je dois comprendre pourquoi c'est Jésus, je dois le recevoir. Et tes enfants doivent aussi voir effectivement que non, papa, maman, et ceci et l'oncle, ils ont mal reçu, c'est Jésus dans leur vie. Parce que quand je vis avec lui, ou quand je dis, quand quelque chose n'est pas de Dieu, c'est difficile qu'il supporte cela. Mais si toi, tu es tout à tout, acceptant tout, effectivement, que les enfants viennent comme des prostituées, tu es d'accord, qu'ils fassent ce que tu es d'accord, et tu dis gloire à Dieu, comment veux-tu que les enfants puissent comprendre, effectivement, les sens? C'est ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais quel est donc ce Dieu en question? Parce que nous ne sommes pas différents. Les musulmans, ils font le ramadan. Eh bien, ils ne sont pas différents, mais nous, on peut faire aussi le ramadan. Non, mais c'est vrai, ça peut être arrivé, mais c'est important. Mais l'enfant va se poser la question. Parce qu'à l'école, il a des amis.
Aujourd'hui, parce qu'il faut voir comment ils font le ramadan. Ah oui, hein? La maison toute entière. Ils sont tous dans le ramadan. Et quand ils terminent le ramadan, la maison toute entière, ils font une cérémonie tous ensemble. Ils mangent à des heures. Les enfants aussi suivent, effectivement. Donc ils comprennent. Ils prennent un petit, hein, comment on dit, un petit amalécite. Il est déjà. Il te parle déjà. Tu comprends que là, il est vraiment l'un des Mohamed, effectivement, ainsi de suite. Regarde le nôtre. Ce petit-là, il sait que quand il est à l'école quelque part, effectivement, si madame fait comme ça et puis prépare avec ceux qui n'ont pas dans la vie, ah non. Elle est dit fermement, elle est nôtre. C'est vrai. Sûr et certain. C'était il y a deux ou trois jours de cela. Et j'étais sorti, puis je vois tout le monde avec des là-bas, les petits, ils sont tout le monde content avec des. Ah, j'ai dit, mais comment c'était un jour? Je savais pas que c'est parce qu'ils étaient à la fin de leur histoire. C'est comme ça, hein? Parce qu'à la fin de leur histoire, là, tout le monde s'est mis en dit là-bas. Et ils n'ont pas peur, hein? Ils sont vraiment contents de partout où ils vont en centre-ville, effectivement. Mais vous? Oh, alléluia. Vous savez ce que les parents me disent? Oh, mais quand nos enfants vont à l'école, il faut qu'ils s'habillent quand même comme pour l'école. Ça veut dire quoi? On peut mettre des mini, quoi. Non, c'est pas pour vous, c'est pour vous dire, pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que eux, ils croient à ce qu'ils croient. Mais regardez comment ils sont. Et toi, tu dis que tu crois dans les dieux vivants. Mais c'est Dieu vivant qu'ils sont. Il a une parole. C'est ce qui fait de lui Dieu, parce qu'il a parlé. Et toi, si tu nous connais effectivement aussi, ce n'est pas pour rien que tous ces hommes ici que nous avons et que nous connaissons, comme Josué, et c'est la personne qui a su aussi citer une parole aussi, s'il m'avait dit que moi et ma maison, ça veut dire que dans ma maison, mon fils ne peut pas donner des ordres. Ma fille ne peut pas donner des ordres. Il ne peut pas dire, moi je m'habille comme ça, je fais comme je veux, je sors quand je veux, je fais ceci, ceci. Ah non, c'est moi. Ici, chez moi, on sert Dieu. Qu'il te plaise ou pas, chez moi à la maison, on sert ces dieux-là. Je répète bien, moi je dis, que mon Dieu te plaise ou pas, étant chez moi, tu es censé pouvoir le servir. Alors s'il ne te plaît pas, alors moi non plus, je ne te plais pas. Alors tu vas où tu veux. Mais si c'est chez moi à la maison, petit, grand et moins grand, même bébé, on se soumet. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, comme cet homme-là disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'aussi longtemps qu'ils sont sous ton toit, tu demeures responsable. C'est pour ça, vous, enfin, je parle, vous savez qu'il n'y a pas que vous, hein, qui aimez tant donner tant de liberté. Et je l'ai toujours répété ici, j'ai dit, quand vous donnez tant de liberté à votre enfant, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Moi, mon enfant, même mon petit enfant, je connais sur le monde, vous le connaissez. Il ne peut pas se permettre de se voir s'habiller n'importe comment. Ah ben oui, c'est sûr et certain. Moi, je l'ai dit ici, frère, oui, c'est comme cela. Vous ne pouvez pas vous permettre que votre enfant vienne vous obliger. Non, moi, je vais porter des choses comme ceci, et ceci et cela. Non, quand c'est correct, c'est correct. Mais quand ce n'est pas correct, ce n'est pas à l'enfant de conduire une personne âgée quand même. Je crois que quelque part, il y a quand même du respect. Même si votre enfant a 40 ans, vous avez, si c'est le vôtre, vous n'aurez quand même pas le même âge, non? S'il a 40 ans, toi, tu dois quand même être plus âgé quand même. Donc, il sait qu'il te doit du respect. En tant que père, en tant que mère. Alors, quand papa dit, quand maman dit, l'enfant doit obéir. Ça, c'est ce que notre père nous a instruit. Vous me suivez bien? Ce que, si mon père m'a instruit, je parle bien de mon père, hein, pas mon père terrestre. Hein, si mon père céleste m'a instruit comme ça, je dois aussi instruire aussi les miens comme ça. Donc je les transmets l'éducation que j'ai. Honore ton père et ta mère. Et ceci et cela. La Bible le dit effectivement. Et comment Dieu, parce que Dieu, nous, si comme nous l'appelons notre Père, il doit aussi nous éduquer.
c'est sur nous. Il doit nous éduquer. Donc nous avons une éducation, nous, qui fait que dans ce monde ici, nous étions mal éduqués par nos parents. Parce que nous avons hérité de mauvaises éducations, effectivement, ainsi de suite. Mais quand nous sommes maintenant nés de nouveau, il y a une différence. Maintenant, nous avons un père qui nous éduque. Il a commencé à pouvoir nous éduquer. Et ceci et cela. Et à notre tour aussi, nous devons aussi éduquer aussi le nôtre. De apprendre effectivement comment et les choses doivent se faire aussi dans la vie, dans la marche, effectivement, ainsi de suite. Dans le monde, ils vont attraper effectivement, vous savez, des éducations à gauche et à droite, effectivement, avec des habitudes qui viendront pas. Mais quand ils viennent dans la maison, chez nous, parce qu'à l'extérieur, on ne sait pas contrôler. L'école donne n'importe quoi. Mais quand ils viennent à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous récupérez vos enfants. Qu'est-ce que vous allez faire, effectivement? Mais nettoyage. C'est qu'on les a, qu'ils les ont amassés là-bas. Il dit, mais vous avez amassé ça, ça c'est bon et ça c'est pas bon. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, parce que là, nous savons maintenant, comme les autres rires, il faut qu'on connaisse les dieux que nous servons. Et quelle est donc la relation que nous avons avec ces dieux? Même si vous êtes personne âgée aujourd'hui, que votre fille ou votre fils a 60, 50 ans, vous serez toujours plus âgé. Bien sûr, c'est un plus âgé. Ça veut dire que vous aurez toujours un mot à dire à votre fils et à votre fille. Bon, je vais vous poser la question. On ne va pas rester longtemps. Vous allez dire, oh frère, tu exagères. Il n'y a pas de problème, je peux exagérer comme vous le pensez. Mais dites-moi, l'écriture, il dit quoi? Honore ton père et ta mère. Est-ce que l'écriture a ajouté, honore ton... Mais oui, c'est écrit. Honore ton père et ta mère. Est-ce que l'écriture a ajouté, honore-les jusqu'à 25 ans? Vous me suivez bien? Donc, est-ce qu'il est seulement ton père jusqu'à à la majorité? Il sera toujours ton père, non? Jusque quand? Toute ta vie entière. Donc, s'il est ton père toute ta vie entière, donc tu dois l'honorer. Alors, ça veut dire qu'il a toujours un mot à te dire. Parce que l'un des mandements, c'est la liberté. C'est pas ça que le Seigneur nous a... Le Seigneur nous a instruit, effectivement, à pouvoir savoir comment agir, effectivement, avec les nôtres. Ils seront toujours nos enfants. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que même quand ils sont âgés, effectivement, après 50 ans, ils seront toujours maman et papa, toujours. Parce que maman et papa, on ne change pas. Le respect restera toujours, ce respect-là. Donc, c'est nécessaire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissions et que nous comprenions, effectivement, quelle est donc la relation que nous avons avec ces dieux. Qui est-il, effectivement, pour moi? Et comme nous le disons effectivement aussi, nous allons lire, effectivement aussi, mais en fait, je cherche à pouvoir avoir une vie éternelle avec lui. Mais est-ce que je comprends vraiment qui est-il, la personne avec qui je vais passer mon éternité? Pour passer cette éternité avec lui, il faut d'abord comprendre la raison pour laquelle, sur la terre, vous devez comprendre, frères et sœurs, autrement, frère, parce que d'abord, si vous me suivez, si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas effectivement d'abord qui il est, la personne avec qui vous voulez passer l'éternité, dites bon, je vais vivre éternellement avec toi, ainsi de suite. Alors lui quand même, il doit aussi savoir quelle est la personne avec qui il doit passer l'éternité avec. Si toi tu ne te poses pas cette question-là, tu veux toujours donner moi la vie éternelle, mais lui doit aussi poser la question, est-ce que moi qui suis éternel, pourrais-je passer l'éternité avec une telle personne? Voilà. Si toi, tu ne te poses pas la question, Dieu se pose la question. Mais bien sûr. Je le regarde d'abord, lui, comment il est. Bon, je donne d'abord une parole. Comment il réagit? Parce que ce que je lui dis, moi, c'est ma volonté, ce que j'aime, mon désir le plus profond, c'est ça que j'aime. Bon, maintenant, je lui dis, il veut, tu m'aimes, tu dis que tu m'aimes, tu veux passer les... C'est pas, tu vas passer 200 ans avec moi, pas 200 ans, mais toute une éternité. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de fin. Et moi, je vais vivre un temps sans fin avec toi. Qui d'abord, tu ne t'intéresses pas beaucoup à moi. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Deux, tu t'occupes de rien de ce qui me concerne. Toi, tu es toujours attaché à ce qui te plaît, toi. Tu désires, c'est que donne-moi, fais-moi ceci, et donne-moi ceci. Et quand moi, je te fais passer par ce que moi, je veux, c'est la révolution.
comment veux-tu que moi je passe l'éternité avec toi? Que Dieu nous aide. Amen. Mon frère et ma soeur, réveillons-nous. Nous n'avons pas affaire avec des gens du monde, effectivement, qu'on va passer 20 ans, 40 ans, 50 ans, tout ce que vous voyez d'études. Parce que c'est, même c'est bien matériel que vous désirez tout le temps avoir ici. Vous allez vivre avec pendant combien de temps? Même pas 150 ans, 40 ans, 60 ans, même 100 ans, même 70 ans. Je vais avec tous ces biens-là, 100 ans, et puis après. Mais toi, tu désires des biens qui soient impérissables. Pour vivre avec quelqu'un qui est éternel. Mais maintenant, il doit avoir, effectivement, c'est que, parce que dans ce monde dans lequel tu te trouves aujourd'hui, comment tu peux faire, comment... Parce que regardez comment Dieu fait aussi les choses merveilleuses, mon frère et ma soeur. C'est pour ça qu'il nous est vraiment nécessaire que nous entendons vraiment, pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Déjà sur la terre, il veut voir, dans un monde où tout en fait est contraire à, sa, à son désir, comment toi, tu réagis pour lui prouver que vraiment, je t'aime. Et puis deuxièmement, ce qui est merveilleux, c'est que c'est là qu'il veut aussi voir. En fait, tu as l'habitude de pouvoir toujours t'intéresser à des choses que toi tu vois. C'est la nature de l'homme. Mais si Dieu vient vers toi pour te dire que tu peux marcher avec moi, marcher avec moi, il n'y a pas un autre moyen. Quel est ce moyen qui t'a prouvé pour marcher avec lui? Il n'y a pas d'autre moyen que tu peux marcher avec moi, parce que sur la terre, eh bien, tu es dans un environnement qui t'environne. Mais dis, mais moi ici que tu désires tant, tu dis que je t'aime, je veux dire, parce que tu dis, ah, je t'aime de tout mon cœur. C'est vrai, mais en fait, moi ici, pour marcher avec moi, il ne faut pas la vue. Parce que toi, pour aimer quelqu'un, il faut voir sa beauté. Va voir comment il est cette personne, c'est vrai ou pas? Mais moi, tu ne peux pas me voir. Tu es obligé de marcher avec moi par la foi. Alléluia. Non, Dieu est grand. Mon frère et ma soeur, nous jouons avec la chose la plus précieuse pour nous en fait. Parce que nous le ramenons à une dimension tout à fait terre à terre. C'est plus précieux que vous pouvez imaginer. Beaucoup plus précieux, en fait. Voilà pourquoi il observe et regarde effectivement. Il te donne quelque chose que toi, tu ne peux pas toucher. Et il y a des paroles que le Seigneur nous donne et nous dit dans sa parole, effectivement, et qui ne peut pas arriver à pouvoir être reçu et accepté par l'esprit de l'homme. Et c'est ça sa volonté, en fait. Je pourrais vous lire beaucoup dans les Saintes Écritures, mais puisque nous sommes déjà 21h, qui vont vous choquer. Qui vont vous faire, c'est pas possible, c'est pas possible. Pour quelle raison? Parce qu'il est dit, en fait, pour voir, toi, quelle réaction tu vas avoir. Faire la volonté de Dieu. Vous avez remarqué que l'Écriture insiste sur un point tellement très important. Après avoir beaucoup parlé, effectivement, montré, effectivement, ici, il dit... Dans Hébreux au chapitre 35. Vous pouvez aller lire avec vous. Chapitre 10, pardon. Donc Hébreux 10, verset 35. Il nous dit cela. Hébreux 10, c'est donc 35. C'est pas vrai, c'est là. Ça va? On peut continuer? Parce que quand vous commencez à pouvoir vous fatiguer, ce n'est pas nécessaire. Hébreux chapitre 10, je ne vais pas rester longtemps, on va partir. Hébreux 10, effectivement, aussi. Voilà ce qu'il dit.
verset 35. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je vous pose la question. Est-ce que vous voyez cette rémunération avec vos yeux? Parce que quand vous travaillez, tous les efforts que vous faites, effectivement, même quand vous voulez faire des congés sur les activités, vous voyez quand même un paquet d'argent qui attend. Le paquet d'argent, vous pouvez le voir, non? Parce que sur votre compte, il tombe en fait des chiffres. Chaque mois, vous le voyez. Donc, ça vous donne courage de pouvoir continuer les mois prochains à travailler. Parce qu'à la fin, vous avez la récompense. C'est normal. Mais ici, on nous parle d'une grande rémunération. Vous voyez cette rémunération, vous, de vos yeux? Et vous ne savez même pas tellement très bien comment se présente cette rémunération. Vous voyez, mon précieux frère, ma bien-aimée soeur, quand nous entrons ici dans les Saintes Écritures, vous commencez à vous poser la question de savoir, est-ce que j'ai la foi? Et vous demandez, est-ce que vraiment je me suis vraiment engagé vers Dieu? Ce qui veut dire qu'avant, on allait comme des aventuriers, en fait. Nous ne comprenons pas tellement très bien quand le Seigneur nous disait, ne vous inquiétez de rien. Les choses se sont demandées, celui qui aime le monde, nous ne comprenons pas tellement très bien. Mais si maintenant nous assurons, en fait, quand nous entendons, ces gens nous posent la question, on commence à se poser la question, Seigneur, mon Dieu, les choses commencent à devenir un peu plus claires. On commence à devenir un peu plus conscient, beaucoup plus sérieux nous-mêmes. On commence à comprendre maintenant, effectivement, je ne dois pas venir à l'Assemblée simplement par coutume. Parce que je dois venir maintenant parce que pour moi, c'est une nécessité. Donc je ressens le besoin. Seigneur, je ne peux plus me plaindre. Pour pouvoir dire, mon Seigneur Jésus, mais mon Seigneur Jésus, non. Je dis, mais je dois venir, je suis senti pouvoir être là parce que pour moi, en tant que fils et fille de Dieu, oh oui, j'ai une grâce de pouvoir savoir que je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. L'effet de l'être, c'est tout pour moi. Dans ce bas monde ici, c'est plus que l'or que je peux avoir, plus que les machins, tout ce qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut même posséder. Être un fils de Dieu, être une fille de Dieu. Maintenant, je comprends, maintenant, je dois comprendre la valeur de pouvoir. Et c'est ça, ça c'est 100% vrai, mon frère. Être un fils de Dieu. Quand je comprends que je suis un fils de Dieu, non, alors je dois l'aimer. Parce que si il est vraiment mon père, et que moi je suis sorti de lui, je suis dans ce bas monde ici, que je regarde ce monde dans lequel je suis aujourd'hui, Seigneur, je ferai tout ce que toi tu voudras. Je sais que Dieu nous aide. Ça veut dire que moi, je deviens obéissant. L'évangile pour moi, dans l'évangile, dans la parole de Dieu, il n'y a aucune chose qui doit être difficile pour moi, ou même quelque chose que Dieu aurait à pouvoir mettre là pour que ça soit contre moi ou me faire des choses comme ça. Tout ce que Dieu aurait dit, en tout cas, pour moi, cette chose-là, je dois tout faire pour que ça se retrouve en moi. Pas parce que c'est une obligation de vous dire, je dois, parce que je dois. Avant, je disais, Seigneur, je ne vais pas aller en enfer, c'est pour ça que je dois mettre ta parole en pratique. Maintenant, je compris. Maintenant, je comprends maintenant que vivre ta parole à toi, oh là 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 là, cela est une grâce extraordinaire. Donc, ça fait de moi un Dieu. Vous avez bien entendu? Vivre la parole de Dieu, ça fait de moi un Dieu. Donc si je suis un Dieu, alors je dois vivre la parole de Dieu.
Est-ce que vous avez compris? Si je suis un Dieu, je dois vivre la parole de Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre la parole d'un chien. Un Dieu est au-dessus d'un voleur. Un Dieu est au-dessus d'un menteur. Un Dieu est au-dessus d'un colporteur. Est-ce que vous comprenez cela? Un Dieu n'est celui qui... Enfin, tout ce... C'est pour ça qu'il me dit, mais que votre... C'est votre bouche, ne saute rien de ceci, de cela, vos pensées. Donc un Dieu ne pense que juste. Un Dieu ne pense que... Mais c'est la vérité. Donc ce que Dieu nous dit dans la parole, c'est pour nous. Que ça soit dur. Mais en fait, ça ne peut pas être dur. Parce que je suis un fils de Dieu. Et je suis un Dieu. Et je suis appelé à pouvoir vivre comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'il nous dit que si le monde ici était mon monde, il combattrait pour moi. Mais le monde m'a haï parce que je ne suis pas du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est plus au-dessus du monde. Si le monde, waouh, si le monde haït lui, ça veut dire que nous avons la même nature. Alors il est impossible que le monde puisse arriver à pouvoir m'apprécier. Toi, tu dois être sûr et certain que si dans ces bas mondes, vous me suivez, vous prenez plaisir au monde, vous réjouissez dans ce monde, et vous êtes tellement si heureux, le monde, effectivement, vous apporte, effectivement, il y a un problème avec votre nature. Mais Dieu ne vous a pas dit que vous ne devez pas avoir de maison. Ne confondez pas les choses. J'ai une maison, mais je ne vis pas pour la maison. Quand j'étais dans le monde, je voudrais avoir de maison pour montrer aussi aux gens que j'ai une maison, pour faire ceci. Oui, ça passe chez tout le monde. Mais quand j'ai une maison aujourd'hui, ce n'est pas pour montrer aux gens que j'ai une maison, mais c'est parce que je dois vivre dans un endroit. Et si elle est grande, c'est pour recevoir mes frères et sœurs ou mes enfants que j'ai effectivement. Donc, chaque chose, vous comprenez la valeur, l'utilisation de la chose, parce que vous êtes de Dieu. Donc, ce ne sont pas des choses du monde qui peuvent vous asservir, mais c'est vous pour quelles les choses existent, pour l'utilisation dans l'espace-temps dans lequel vous êtes. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas voler un frère. Il ne faut pas voler une sœur. Être toujours juste. Jamais haïr. Parce qu'un Dieu ne peut pas avoir de la haine. Un Dieu ne peut pas parler de mal de l'un. Un Dieu, ce qu'il est, c'est quoi? On a toujours dit non, Dieu est amour. Donc si je suis fils de Dieu et que je suis Dieu, je dois être plein d'amour. On dit que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Vous voulez le lire, hein? Puis je vous laisse aller, hein? Matthieu chapitre 5, je pense que c'est cela aussi. Nous lisons et puis nous allons rentrer, hein? Lisons chapitre 5, n'est-ce pas? Puis nous rentrons à la maison, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous garder longtemps, hein? Ici, hein? Chapitre 5 de Matthieu. Mais vous savez que ça fait, c'est une grâce que je peux vous avoir, hein? Nous remercions notre Dieu pour la joie qu'il nous donne, pour chaque frère et chaque sœur que nous avons. Et aussi là. Matthieu chapitre 5, nous disons verset 1. Dit, voyant donc la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux donc le pauvre en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés. Ah non, bon, nous continuerons plus tard après. Donc, vous voyez, en fait, toi étant fils de Dieu, tu es Dieu. Un Dieu ne peut pas porter de désordre quelque part.
lorsqu'il arrive quelque part, que la paix soit avec vous. Il apporte toujours la paix. Et quand il sort, il laisse toujours la paix. Donc les paroles qu'il va apporter, effectivement, quand il sort dans cette maison-là, il n'aura pas parlé d'autre chose que des paroles qui ramèneraient toujours la communion, l'unité sur ce que Dieu est, ce qu'il veut que nous soyons. Et quand il y a une situation, toujours le cœur aussi pour pouvoir aider, soutenir et aller de l'avant ainsi. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous sommes approchés de ton trône de grâce, mon roi, pour te remercier encore ce soir pour la grâce que toi tu nous accordes encore aujourd'hui, Père. Nous sommes à toi et nous avons ce désir, comme nous l'avons entendu encore dans les psaumes encore ce soir. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je voudrais te dire encore merci. Merci vraiment pour ce que tu fais pour nous, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Que tu nous pardonnes parce que parfois, lorsque nous traversons des moments tellement difficiles, Jésus, la Bible dit, comme David pouvait le dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains point aucun mal. Mon Dieu, puisses-tu vraiment nous aider. Nous n'avons pas des moments faciles passant Dieu, mais nous avons beaucoup de situations difficiles dans notre marche. Nous avons besoin de toi, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Et tu as fait de nous, des fils et des filles, un peuple qui t'appartient. Aide-nous aussi, Père Tubissant Dieu, à voir ce caractère qui est en toi, ta nature à toi et ta façon de pouvoir voir les choses. Et que tu nous pardonnes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous voulons vraiment revenir davantage à toi et apprendre encore davantage à nous tenir encore silencieux devant ton trône de grâce, mon bien-aimé Père Tubissant, implorant ta grâce, mon roi, et attendant vraiment ton soutien et ton secours. Tu es vraiment un secours pour nous qui ne peut pas manquer au temps de la détresse, mon roi. Jamais tu ne manqueras, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es ta parole. Tu es le Dieu de ta parole. Tu es le Dieu de ta promesse, mon bien-aimé Père Tubissant. Nous t'en sommes reconnaissants. Souviens-toi de mes frères et sœurs. Souviens-toi de chacun de nos Pères Saint-Dieu. De ces moments difficiles que chacun passe, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons vraiment nos yeux fixés sur toi. Nous ne voulons pas oublier qui nous sommes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne sommes pas du monde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour agir selon le monde, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne sommes pas d'ici-bas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu l'as toujours dit. Nous pouvons nous souvenir que nous sommes des pèlerins, étrangers, voyageurs sur la terre, mon roi. Je te suis vraiment reconnaissant encore ce soir pour ta bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde et tes compassions encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous pensons beaucoup à nos frères et sœurs, partout où ils sont, Seigneur Dieu, à ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont malades aussi, bien-aimés Père Tubissant, qui pensent qu'on les a oubliés, bien-aimés Père Saint-Dieu. Mais toi, tu n'oublies vraiment pas personne, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous revenons à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Soutiens ton peuple, soutiens tes fils et tes filles, mon roi. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père Tubissant. Continue encore la marche, mon roi. Nous tiendrons jusqu'au bout, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pour cela que tu nous as choisis, tu nous as aussi appelés dans ces temps où nous sommes. C'est pourquoi nous implorons ta grâce à toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu nous as accordé la grâce, voix chance, savoir que tu nous changes aussi le cœur, l'esprit aussi, bien-aimé Père Tubissant, Dieu. Aide-nous vraiment à être de véritables croyants, mon bien-aimé Père Tubissant, à changer notre façon de voir, de parler, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce qu'un Dieu ne peut pas parler comme ça, Seigneur Jésus. Nous sommes des fils de Dieu, mon roi. Puisses-tu encore nous aider, puisses-tu encore nous soutenir, afin que nous revenions, comme tu nous as montré les enfants Tubissant, à être à genoux, Père Tubissant, Dieu, à pouvoir te prier, t'implorer la grâce, à ne plus être comme les hommes, Père Saint-Dieu, sont, mon bien-aimé Père Tubissant, mais à nous accrocher davantage à toi. Tu es la source d'eau vive, mon bien-aimé Père Tubissant, la solution vraiment à tous nos problèmes, mon roi. Puisses-tu agir pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur Jésus. Ils sont les nôtres que tu nous as donnés, bien-aimé Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte encore pour tes offres, pour tes bienfaits, mon Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Merci pour ce que tu fais pour nous, Père Saint-Dieu. Merci pour les enfants que tu nous as donnés, pour les petits-enfants, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nos frères et sœurs, Père Saint-Dieu, que tu nous as donné la grâce, vous sommes à voir, Père Saint-Dieu. Nous voulons veiller les uns sur les autres, mon bien-aimé Père Tubissant.
Oh, nous pousser à pouvoir avoir cet amour divin les uns les autres, Père Dieu. Avancer davantage à l'obéissance de ta parole à toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous ne voulons pas faire ce que les autres font. Nous voulons faire ce que toi tu veux, Seigneur. Vivre pour toi encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas suivre nos sentiments, nos émotions, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons facilement, Père Tibissant-Dieu, faire ce que toi tu veux. Même si ça ne nous plaît pas, mon bien-aimé Père Tibissant, mais ça nous plaira plus tard quand nous aurons compris, Seigneur. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, mon Sauveur. Nous t'avons ainsi prié, Père Dieu, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Je demandais seulement à être comme lui. Vous le connaissez, non? C'est ce que nous voulons tous. Viens, mon précieux frère, que Dieu te bénisse.